Bonjour, suite à la demande d'un abonné sur ma chaîne YouTube, dont j'ai oublié le nom, hein, je suis désolé, je vous présente le jeu Las Vegas d'Infogrames. Hein, ça s'appelle précisément Las Vegas l'héritage, édité par Infogrames en 1985. Ce jeu est sorti sur les Thomson, 8 bits donc, les Amstrad, les Commodore 64 et les ordinateurs MSX. La particularité de ce jeu, c'est que c'est le tout premier jeu de point and click qui est sorti dans l'histoire des jeux vidéo. Alors ça se joue à la manette de jeu sur les Thomson et ça aura très bien pu se jouer à la souris. Donc point and click, ça veut dire qu'en fait dans tout le jeu c'est interactif, on a un pointeur sur l'écran et on doit cliquer sur les objets et interagir avec les gens rien qu'avec le point and click en fait. Donc ce jeu là est décomposé en trois parties. Il y a dans l'immeuble, il y a à l'aéroport et à Las Vegas. Donc en fait, on peut pas démarrer le jeu 2 ou 3 sans avoir le code qui a été fourni dans l'étape précédente. Donc on va commencer avec le 1. Donc le synopsis en fait, c'est que là on est un jeune homme qui s'appelle Peter Stone qui a reçu un héritage de sa tante qui est décédée. Et on est pauvre, on est jeune et puis on vit dans sa piole qui est au 17e étage d'un immeuble. La chambre 110 plus précisément. Donc là on a la lettre de rendez-vous du notaire. Voilà. Et donc ça c'est notre piole. Hein. On peut faire le tour là. Non, on peut même pas faire le tour. On a juste ça. Voilà. Donc en fait dans le jeu c'est du point and click et on peut se déplacer. Alors pas ici, c'est pas possible. Mais on peut se déplacer dans les autres salles en allant à gauche et à droite. Ou alors en descendant d'un étage par les escaliers, en cliquant sur les escaliers. Donc on va commencer. Pour balader un peu pour voir ce qui se passe. Là on a les toilettes. En fait il se passe rien là si je fais un truc. Voilà, là on a notre voisin qui est au 171. Je peux cliquer. Il est pas là. J'essaye d'entrer. C'est fermé. Là c'est ma piole. Alors 170 c'est ma piole. Et je peux aller voir déranger les voisins. Voir ce qui se passe là. Bon, il se passe rien. Vous voyez, ça va de 110 à 118. C'est-à-dire que ça va de 0 à 8 pour chaque étage. Vu qu'on est au 17e étage, ça commence par 17 là. Et je peux aller par exemple par là. Hop. Là, je sonne pas et je rentre directement. Voilà. Et là, j'ai un voisin là qui est là, 76. J'ai déjà donné, je n'ai besoin de rien. Voilà. Et en fait, pour chaque étage, on a un locataire qui est dans sa piole et un autre qui est une autre chambre qui est ouverte mais inoccupée. Allez, là j'ai tenté d'aller au 18e étage mais le 18e étage n'existe pas, donc je me suis écrasé. Et en fait il y a pas mal de petites choses trap comme ça dans le jeu, enfin dans cette étape là, qui fait que il faut pas se planter quoi. Donc là je retourne dans ma chambre. Le jeu commence à 11h10 hein. On a jusqu'à 11h16 grand maximum pour prendre le taxi. Donc là je prends le sac et je mets des choses dedans. Regardez bien ce que je prends. Il y a 16 objets dans les derrière les tiroirs là. Enfin derrière la porte des placards du bas. J'en prends deux dans les tiroirs. Voilà, hop. Il y a 2 x 3 objets dans les tiroirs et là j'en prends deux. Voilà. Alors il faut que les voisins viennent. Je reste au 17e étage parce que. Bon, je vais peut-être descendre. Ça va peut-être mieux, non? Voilà. Et bon, si je peux descendre au 16e aussi. Mais bon, faut pas descendre trop bas parce qu'après. Donc en fait, pour récupérer les objets là, avec le pointeur, il faut le faire. Faut descendre plus bas de l'écran et tourner à droite puis remonter. Donc là, normalement, il y a un autre voisin qui est là. Non. Bon, je vais remonter alors du coup. Ouais, je descends tout en bas et je remonte.
On a 9 voisins qui réclament des trucs et une qui va nous donner quelque chose en fait. Zut, j'ai oublié. Lui, on lui donne de l'argent. On va essayer de faire vite. Oui, alors il y a une écuelle, enfin plutôt une soucoupe. Et j'ai oublié de récupérer l'argent qu'il y avait là. Mais normalement, on peut donner aux voisins, on peut mettre 4, moins de 4 minutes pour donner tout aux voisins en fait. J'ai perdu un peu de temps. Donc, comme je disais, on a des pièges, des fois. Faut éviter de donner un flingue à n'importe lequel des voisins, sauf au gangster. Si on montre un flingue à un voisin, bah, il appelle la police et on est arrêté. Il y a pas mal de petits pièges comme ça. Hein. Hop là. Zut. Faut que je me dépêche parce que. Hop. Le temps s'écoule pendant cela. Donc on démarre le jeu à 11h10. On démarre le jeu dans la chambre à 11h10 et on a 6 minutes maximum pour tout donner aux voisins. Donc faut aller très très vite. Donc faut récupérer les objets chez nous, dans l'appart. Et là donc on a 200 dollars et la petite dame va nous donner... $100. Il reste encore deux voisins. Et voilà, il y a lui. Donc avant de partir, il faut récupérer sa montre et ça. Donc ça, c'est les billets de train. C'est ce que nous a donné le notaire. Donc là, on avait déjà vu la vrille. Ok. On va prendre l'ascenseur. Ça va être plus rapide. Voilà. Puis en plus, ça évitera de se planter dans les étages. Donc là, on voit, il est 11h14, 25, 26. Il s'est passé 4 minutes 30 depuis le début du jeu. Là, on clique sur 0, on fait on. Donc, on voit là, il est 11h14, 38, 39, 40. Les portes se referment. Alors, vous avez vu le petit sursaut là? Ça se passe comme dans un ascenseur normal où il y a un petit sursaut quand on descend. Ça, c'est sympa cet effet là. Par contre, on voit les étages qui défilent en descendant, mais l'heure qui reste la même, 11h14, 42. Alors c'est pas un bug, enfin si c'est un bug parce qu'ils auraient pu l'afficher en même temps. Surtout que là il n'y a pas d'animation à l'écran. Mais on verra en bas que quand il faut arriver, 11h15-12. Vous voyez, en fait l'heure s'est bien écoulée mais ils l'ont pas fait défiler comme il faut. Là on a la loge. Voilà. La loge, là c'est pour remonter. Alors surtout ne descendez pas là parce que ça va être le même coup qu'avec l'étage au-dessus. Là. Hop, on monte là. Là on a toujours pareil des toilettes. Voilà. Là, on a le taxi. Il n'y a personne dedans. Il n'y a pas de chauffeur. 13 920. Et là, il y a le vélo. Mais on prend pas le vélo en fait. Donc le numéro du taxi, c'était 13 920. Hein. On va les appeler. Hop. Ça va être un peu juste. Hein. Enfin, j'espère que ça va être bon. Voilà, hop. Ouf, c'est bon. Donc là, on est arrivé à l'aéroport. Et donc, c'est la première partie du jeu, l'immeuble qui se termine. Et il y aura un code qui sera donné. Alors, j'interromps la vidéo là pour passer à la suite du jeu qui s'appelle l'aéroport. A tout de suite. Donc, nous voilà dans la deuxième partie qui s'appelle l'aéroport.
Alors on avait 200, plus de 200$, mais vu que le taxi ça coûte 50$, il nous reste 198$. Donc on a notre billet d'avion et là on entre là. Donc là on a l'entrée de l'aéroport. Voilà, on entre. Et là on a les horaires. On a le vol sur 317, 319, 324, 325. On a un horaire à 11h18 pour Chicago, la porte 5. Ensuite porte 3, porte 5, porte 7. En fait, il y a trois portes. Si on va à gauche là, on a le contrôleur, trois portes, trois, voilà. Et on a vu que notre vol c'était à 11h20. Hein. C'est ce qu'il y avait écrit lors de la lettre du notaire. Alors là, je vais acheter un sandwich pour me restaurer. Et j'achète un magazine. Regardez lequel. Je n'en dis pas plus. Alors là, les horaires, toujours 11h19 Las Vegas. Par contre, j'ai plus mon billet d'avion là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois un clodo là. Donc, en fait, c'était lui qui avait piqué. C'est un pickpocket. Donc, alors, on a perdu le truc. On avait perdu notre billet d'avion et voilà. Elle précise bien, vous avez un vol direct pour Las Vegas à 11h20. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va attendre 11h20 là. Alors pour l'instant, parce que si on y va maintenant à la porte 5, c'est un Las Vegas, mais c'est pas le bon. Notre billet d'avion, c'est en partance pour Las Vegas à 11h20. Alors, vous voyez, le magazine ça coûte 3 euros hein, et le sandwich ça a coûté 2 euros. Fallait se restaurer parce que c'était nécessaire. Voilà, 11h20 à Las Vegas. Donc là, je retourne là. Je retourne voir le contrôleur. Cette oreille. Voilà. Le temps défile, mais c'est bon. Je serai parti à 11h20. Hop. Voilà l'avion. Donc là, c'est la deuxième partie. Hein. Elle est beaucoup plus courte que la première, qui était l'immeuble. Voilà. Donc on a l'hôtesse. Voilà. Alors la ceinture du siège, hein, pas la ceinture du pantalon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, purée, un pirate de l'air. Enfin, à l'époque, ça s'appelait le pirate de l'air. Que personne ne bouge, c'est un détournement. Je veux 10 pelotes de laine verte mousse d'ici 10 secondes. Sinon, l'avion saute. Et voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté le magazine Montricot, en fait. Parce qu'il est fan de couture et, en fait, il y avait plusieurs magazines dans le stand et il fallait acheter ce magazine-là. Donc, voilà, un voyage sans histoire. On est à Las Vegas. Et donc la deuxième partie se termine là. Donc j'interromps la vidéo et on va passer à la troisième partie après. Alors là, elle va donner un autre code qui va servir pour la troisième partie du jeu, qui est le casino. Donc voici la troisième partie du jeu. Là, il est 22h27 et on a toute la nuit pour gagner 1 million de dollars. C'était le deal pour avoir l'héritage. Et là, donc on est à Las Vegas et c'est les casinos, hein. En fait, il y a pas tous les jeux. Hein. Alors, en gros, il y a la roulette, il y a le jackpot et le craps. Il ouais, y a que ces trois jeux-là. Et là, il y a sept boutiques. Alors, je vous conseille pas d'aller immédiatement à BC, ni à, alors, je sais plus si c'est Frontières ou Dunes. Alors, les deux premiers stands de jeu, c'est Silver, Slipper et Sands. On va commencer avec ça. Donc on a 191$. Ok. Donc là, Silver Stripper, c'est le jackpot, ouais, c'est ça. Donc une machine à sous. Et en fait, il nous donne un jeton tous les 10$ qu'on a. On avait 191$, donc ça fait 19 jetons. On peut les compter. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a plus de 19 là. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ben on en a 21 en fait. Il nous a donné plus que normal. Donc en fait, c'est le jackpot. Et on peut miser de 1 à 5 jetons. Et chaque jeton vaut 10$.
Et en fait, Jackpot, c'est on fait tourner la roue et à chaque fois, on a un jeu de trois objets qui apparaît. Et en fait, suivant ce qui apparaît, ben, on rapporte N fois la mise. Alors N, ça peut être de une fois à 100 fois. Une fois, c'est qu'on a le triple citron ou alors une combinaison de cerises, citron et abricot. Deux fois, si on a. Alors, la mise est remportée deux fois si on a deux cerises. Quatre fois si on a deux citrons. Six fois si on a deux cloches avec une barre. 25 fois si on a deux barres. Et après, on a des séries comme ça, 10 fois, avec prune, 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 si on a triple prune, 25 fois. Donc voilà. Et alors, moi, je vous conseille au départ de ne pas miser beaucoup, miser un jeton par un jeton. Ok? Parce qu'on en a 19. Voilà, on peut se mettre n'importe où sur le truc. Donc là, on a misé 10$. Et c'est N fois la mise à chaque fois. On peut commencer. On va essayer de voir. Ah non, on a plusieurs pièces donc on peut y aller. Donc c'est des piles de 18 en fait. On a des piles de 18 pièces. Au départ, faut pas miser beaucoup, hein. Voilà. Là, on a deux cloches. Deux cloches qui font 6 fois la mise, effectivement, on a misé une fois, on a 6 trucs. Bon, je vais refaire. Ah, j'ai misé 3 pièces, hein, zut. J'aurais pas dû faire ça. Hop. Au départ, vous misez qu'une pièce, hein, parce que il y a toujours. Si vous misez trop, ben, vous perdez tout. Quand vous avez très peu de chance, enfin, ce que vous gagnez, c'est. Quand c'est une fois la mise, ben, ça arrive assez rarement. En gros, tous les 5 coups, vous gagnez. Alors, ça peut être de une fois à 100 fois. Hein. 3 citrons. Alors, si 3 citrons, c'est 25 fois. D'accord? Je vais en faire un. Non, je vais aller ailleurs. Donc, on va aller voir un autre truc. Donc on a été au Silver Slipper. Si on va au Sand, le Sand c'est le Craps. Alors le Craps c'est un jeu de hasard qui joue avec des dés. Donc en fait il lance deux fois le dé et c'est la somme des deux qui vous permet de voir si vous avez gagné ou pas. C'est assez compliqué. Alors, je vous explique les règles en gros. Alors en fait il y a des séries. Si au départ le chiffre 2, 3 et 12 sortent, c'est au premier tirage, eh bien on perd la mise. Si les chiffres 7 et 11 sortent, on gagne une fois la mise. Alors le 7 et le 11, en fait, au niveau probabilité, c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut faire des probabilités. En fait, le 2, il y a une. En fait, il y a la somme de 2 dés, il y a 36 combinaisons différentes, d'accord? 36. Et le 2, il peut obtenir que par 2 fois 1. Le 3 peut obtenir par 1, 2 ou 2, 1. Le 4 peut être obtenu par. 1, 3, 3, 1 et 2, 2. Donc il y a 3 possibilités d'obtenir 4. D'obtenir 4, oui, c'est ça. Donc 3 chances sur 36, dont 1 sur 12, pour obtenir 4. Et ainsi de suite. Donc le 4, Alors le 4, il y a 5 chances de l'obtenir. Le 5, il y a 6 chances de l'obtenir. Si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Alors le 2, ouais, c'est ça. Donc le 2, il y a une chance d'obtenir. Le 3, 2 chances. Le 4, il y a 3 chances d'obtenir. Le 5, il y a 6 chances de 4 chances de l'obtenir. Le 6, il y a 5 chances de l'obtenir. Le 7, il y a 6 chances de l'obtenir. Hein, si je dis pas de bêtises. 1, 6, 1, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça monte de 2 à 7 la probabilité de l'obtenir. Donc en fait, j'ai fait les calculs. Et en gros, dans ce jeu-là, on a peu de chances de gagner. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois. Quand on mise, en fait, au plus on mise à chaque fois, et la banque elle a plus de chances de gagner de l'argent que vous en avez de gagner. Parce qu'en fait, le 7 et 11,
S'ils sortent en premier coup, on gagne une fois la mise. Mais bon, si on gagne une fois la mise, c'est comme si on gagnait rien. Et autrement, le chiffre 2, 3 et 12, qui sont très rares, ils sortent en premier, mais ils sortent comme c'est assez rare, bon, on a peu de chance de perdre là, mais c'est la suite qui est problématique. Parce qu'à la suite, après, c'est les nombres 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Et là, il y a différentes probabilités de les obtenir. Et bon, on va faire un essai. Hein. On va jouer. Je vais miser. Alors, pour miser, en fait, là, on va sur le bouton mise et on clique sur le. Alors, on fait le bouton. C'est pas ça. On appuie sur le bouton de tir et on. Et avec la manette du joystick, on avance. Ou on recule. Vous voyez ? Voilà. Je vais miser et hop, je laisse tirer. Je lance les dés. Donc c'est la somme de 2 dés. Hein. 5 et le point. Alors le 5, normalement, ça veut dire qu'il rejoue. 4, 4, 4 et le point. Donc 4, c'est pareil, il rejoue. Et s'il obtient un 4 à nouveau, on a. C'est le 7 qui est sorti, ça veut dire que j'ai perdu. Vous avez perdu vos dollars. Donc j'ai déjà perdu 20 dollars. Bon. C'est pas top. C'est un jeu où en fait on a plus de chances de perdre que de gagner. Hein. Donc c'est pas terrible pour jouer. C'est des probabilités. Donc c'est la somme de 2 dés. Et donc pour obtenir 2, on a une chance sur 36 d'obtenir 2. 2 chances sur 36 d'obtenir 3. 3 chances sur 36 d'obtenir 4. 4 chances sur 36 d'obtenir 5. 5 chances sur 36 d'obtenir 6. 6 chances sur 36 d'obtenir 7. Et après, 5 chances sur 36 d'obtenir 8, etc. Ça monte et ça descend. Et en fait, au fin de compte, ce jeu-là, on perd de l'argent. Donc, c'est pas comme ça qu'on va gagner 1 000 000 $. Et donc, il est déjà 22h36 là, sur le jeu. Donc, on va essayer d'avancer un peu. On va aller sur frontière. Frontière. Alors là, Alors, ça s'appelle... C'est la roulette, en fait. Donc en fait j'ai regardé les règles du jeu de la roulette. On peut jouer la mise soit sur le manque qui contient ces chiffres là, soit le manque. Donc c'est une roulette qui va de 1 à 9. Le manque qui gagne si on a les chiffres 1, 2, 3, 4. Le passe qui gagne si on a les chiffres 6, 7, 8, 9. Le pair, bon ben les chiffres pairs, hein, sauf le. Voilà. Impair, les chiffres impairs sauf le 5. Et là, le noir, c'est 1, 3, 6, 8. Et le rouge, c'est 2, 4, 7, 9. Sauf que si on joue là, avec ce truc-là, donc la roulette, si on gagne à une mise là-dessus, en fait, on gagne juste la somme qu'on a jouée. On va faire un exemple. Alors, je vais jouer plusieurs fois. J'ai joué 10 sur le rouge plusieurs fois, par exemple. Vous voyez, à chaque fois, on a une chance sur 2. Hein, donc, voilà. Je joue le 10 et... Je lance. Alors c'est comment on fait? Ah oui, on place ça là. On place ça là. Donc je place sur le rouge. Hein. Donc j'ai misé 10 dollars. Et j'ai 381 là. Donc 4 rouges. Donc je gagne 10 dollars. En fait là, quand vous jouez un truc, quand vous misez sur une chance simple, en fait, c'est comme si vous avez rien misé du tout au départ. Par contre, après, ce qu'il faut, c'est jouer sur les chiffres. Là, si vous jouez sur les chiffres, quand vous gagnez 7 fois le chiffre que vous avez misé. Mais sauf qu'il y a 9 chiffres, en fait. Vous voyez ? Il y a 9 chiffres, ça veut dire que si vous misez... vous avez une chance sur 9 d'avoir le chiffre à chaque fois. Donc, au global, si vous misez sur un chiffre, vous perdez de l'argent au bout du compte. Bon, par exemple, je vais miser 10... J'ai misé 10 sur le 4 rouge. $10 sur le 4 rouge. Si je gagne, j'aurai 70 $. Donc là, j'ai perdu. Voilà. Donc on a ces trois jeux-là. On a le craps, la roulette et le jackpot. Donc on a été à frontière. Là, je vais à l'Aladin. L'Aladin. Alors là, c'est un bar. Vous voyez, j'ai 371 $. Et quand elle danse, eh ben en fait... Je perds de l'argent. Donc faut éviter d'aller dans les bars. Faut aller d'éviter au Aladdin et au BC. BC Aladdin, c'est des pièges à la con. Vous perdez de l'argent que vous gagnez parce qu'en fait quand elle danse,
quand elle danse, elle vous prend 10$ par seconde, hein, ça vaut pas le coup. Hein. Le but c'est quand même de gagner 1 million de dollars dans la nuit. Hein. D'une, c'est le crap, ça c'est pareil. Donc la même règle que ce qu'on a vu. Donc en fait, le casino Dune et Sand, c'est pour jouer au craps. Frontière, c'est pour jouer à la roulette. D'accord. En fait, il y a trois casinos pour le craps. Trois casinos pour le craps. Donc c'est Dune, Tropica et Sand. Alors, un pour le jackpot et un pour la roulette. Donc, alors, j'arrête le jeu là. Alors, le but, c'est d'essayer de gagner 1 million de dollars avant 8 heures demain matin. Donc là, vous avez 8 heures pour jouer et pour gagner 1 million de dollars. Au vu des informations que je vous ai données là, je pense que vous savez quel est le jeu sur lequel il faut miser le plus. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo sur le jeu Las Vegas vous a plu. Et donc, à la prochaine. Au revoir.